Président, maillage du territoire, un nouveau collège à Verny. Oui, c'est une politique d'aménagement du territoire qu'a voulu l'Assemblée sous l'autorité du président Philippe Leroy en 2004 d'abord et puis décidé définitivement en 2008, qui relève d'une réflexion qui s'est tenue pendant des années et des années sur la question de la population scolaire, d'une politique d'aménagement du territoire harmonieuse, et puis la nécessité de mettre en place des moyens afin d'améliorer les conditions d'accès, de confort et d'enseignement. Alors les routes, l'enseignement, enfin l'éducation, il y a d'autres thématiques sur lesquelles vous travaillez en ce moment ? Ah oui, on travaille sur toutes les thématiques, vous savez, je n'abandonne pas l'une au profit de l'autre. On travaille aujourd'hui sur les questions des personnes âgées, on travaille sur l'enfance en difficulté, on travaille sur les maisons de retraite, comment organiser le paysage des maisons de retraite. On travaille sur l'économie, avec la sidérurgie au nord, avec la chimie sur l'est du département. Donc vous voyez que les difficultés, les questions, les projets, les relations transfrontalières, en fait tout ça fait la richesse du Conseil général et démontre bien que le Conseil général, avec la commune, sont les instances de proximité qui réfléchissent à la fois quotidien et aménagement du territoire et donc une démarche visionnaire.